Tu sais, il y a un dicton, que j'ai entendu chez nous à la famille, on disait, il n'y a que à deux personnes que tu dois donner des comptes. C'est pas un dicton juif, mais c'est, bon, c'est un dicton qu'on disait, les Tunisiens, ils se disaient ça, je sais pas quoi. Non, il n'y a que deux personnes que tu dois donner des comptes. Non, c'est à toi quand tu avais 8 ans et à toi quand tu auras 80 ans. 8 ans. Regarde-toi en tant que 8 ans, en tant qu'enfant saint, pas chou, et regarde-toi toi comme t'es, qu'est-ce que lui il aurait pensé de toi maintenant actuellement, et regarde-toi à l'âge de 80 ans quand t'es, gars, et regarde, et dis-toi qu'est-ce que t'en penses de ce mec là. Exactement. Ouais. C'est ça la sincérité, sois sincère avec toi-même. C'est franc, voilà, franc. Je veux être franc. À soi-même, on ne peut pas se mentir. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est notre travail, le seul travail, le seul travail. Alors comment on fait pour faire ça? Il faut demander à Hachem, aide-moi. Voilà, Hachem, je veux être simple, je veux être franc, je veux être pur. Je veux être vrai, je veux être comme toi, toi t'es vrai, je veux être vrai. Et ça, mes amis, c'est ce que Rabbi Nachman nous apprend petit à petit. Comment? Par exemple, en faisant une bonne des doutes, en parlant avec Hachem. Ça nous amène vers le droit chemin. Des fois, tu vas dans les bois de goutte, tu ne parles pas pendant une heure. Tu te dis, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ça veut dire, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as tellement brisé de murailles pour arriver et te mettre devant Hachem. Ça y est, c'est fini. Hélas, tu ne parles pas. Ça veut dire, pourquoi tu ne parles pas? Tu sais pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'en vérité, tu sais qui tu es. Mais t'as tellement de personnalités que tu t'es créé dans ta tête, que tu n'arrives pas à les briser, ces personnalités, tu n'arrives pas à les enlever. On peut te mettre mieux. Et Hachem, il le regarde et il rigole. Oui, gentiment, il sait, il dit, regarde mon fils, comment il est gentil, regarde qu'est-ce qu'il essaye de faire. Il est gentil, il nous adore, il nous embrasse. C'est ça la Avodat Hachem. La Avodat Hachem, c'est pas de réussir, c'est d'essayer. C'est ça qui dit Rabbeinu. La Avodat Hachem, c'est pas de réussir. C'est qui nous dit de réussir? C'est la mythologie grecque. C'est le sport. C'est le foot. Voilà. Mais c'est pas la Torah. La Torah, c'est essaye. Kave el Adonai, Chazak veyamez libecha, vekave el Adonai. T'as prié une fois, ça n'a pas marché. Prie une deuxième fois, frérot. Makara, et alors ça n'a pas marché. C'est obligé que ça marche la première fois. Quand tu fais le loto, ça ne marche pas. Tu t'arrêtes de faire le loto? Non! Tu fais 50 ans de loto! 50 ans de loto, le mec il a jamais rien gagné, il continue à le faire! Pourquoi dans la Torah, la Avodat Hachem, tu dis, j'ai essayé, ça marche pas! Alors emmène le Tzara du loto dans la Avodat Hachem! Tu verras là, le Tzara, comment il a essayé! On a la Emouna dans les choses qu'il ne faut pas, dans le loto, dans le travail, dans les. Mais les gars, c'est la Emouna, c'est amenez-le dans la vraie, dans le vrai du vrai! Eh oui! Donc quoi? Donc c'est juste, essaye, mets le pas, avance, sois là. Tu sais, il y a les Jeux Olympiques, Narom. Alors chaque année, ils font des milliards, des trucs, tout un pays s'arrête, le monde, truc. Et ils font leur guignolée, etc., etc. Bon. Et chaque année, il y a des médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze. Chaque année, il y a toujours les... Maintenant, mes amis, est-ce que quelqu'un se rappelle de qui a reçu la médaille d'or en l'an 95? Bien sûr. Personne ne s'en rappelle. Et en l'an 98, qui a reçu la médaille d'or? Mais c'est quand même, d'avoir la médaille d'or, c'est quand même quelque chose. Mais quelle star c'est? C'est le médaille d'or mondial, le monsieur! Mais qui se rappelle maintenant? Maintenant, je vais vous donner un autre. Non. Alors, je vais te faire prouver. Attends, je vais te faire prouver. Pas comme ça. Par contre. Tu l'as pendant une semaine, il m'en marre. Par contre. Le football, tu peux oublier qui a gagné la Coupe du Monde dans telle année, c'est ça. Par contre, il y a eu, dans les Jeux Olympiques, il y a eu des gens qui sont sortis. Des gens qui ont fait le. Comment ça s'appelle? L'effort de rentrer dans le jeu. Et qu'ils n'ont pas gagné une seule médaille. Mais on se rappelle d'eux à l'éternité. C'est les films où on te fait montrer dans les Jeux Olympiques, les vrais Jeux Olympiques. Où, par exemple, la femme, elle a couru, elle est tombée. Ils ont tous continué. Et elle s'est levée et elle a continué. Maintenant, on s'en fout si elle a gagné ou pas.
Elle a reçu des applaudissements d'un milliard de mecs. Elle a reçu. Maintenant, limite, celui qui a reçu, dis-moi, oh, c'est moi qui a gagné le. Oui. Non, c'est elle qui va recevoir le chaos. Et on va faire montrer ce film pendant des années aux enfants en leur disant give up, give up. Comment ils disent là never give up. Jamais baisse les bras. Et ça, ça fait du. Oui. Parce que celui qui tombe et qui se lève, c'est lui le gagnant. C'est de lui qu'on se rappelle. C'est lui, c'est lui. C'est pas le mec qui arrive. Donc, c'est. Ah, ben, il nous dit arrêtez de faire vos statistiques à travers des résultats. Non! Les statistiques, il faut les faire à travers les efforts, à travers ton cœur, à travers ta foi, ton investissement, ce que t'as en toi. Et ça, mes amis. Ça sera qu'après 120 ans qu'on va voir combien on est riche. En vérité, on est riche dans la Torah, dans la Shem, on est riche. Il faut juste s'estimer comme tel.